Voilà, et c'est reparti. Donc, on remarque quand même que là, le jeu commence à être sérieusement roxé. Non, mais là, voilà quoi, je commence à avoir accès à pas mal de choses. J'ai roxé beaucoup de trucs. Donc là, le jeu commence à prendre une toute autre forme. Et je pense que pour accéder au super boss, il faut que je joue en hard et que j'arrive jusqu'au bout. Ou alors, je sais pas. En tout cas, c'est quoi qu'il en soit, au niveau des challenges, ben, on est bon, ça j'ai vérifié, j'ai toujours pas unlock les deux derniers challenges qui me manquent, je sais pas comment les unlock. Ok, j'ai un superbe ratio, je suis à 123 achievements sur 178, donc il m'en manque plus que 55. Ça fait quand même beaucoup de trucs. Au niveau des fins, voilà, il me manque donc l'ultime fin, la 16e. Voilà. Et là, je crois que je vais donc jouer pour en mode relax. Ah, je vais me faire une run relax. Donc une run qui ne stresse pas du fion. D'ailleurs, comment je débloque le D6, moi, je ne sais toujours pas. Ok, quoi qu'il en soit, je vais jouer avec Isaac et je vais me faire une run pépère. Et je commence. Ok. Je mets en pause. 76 PA 12 BB. Premier item à votre droite, c'est la faux de Death. Ouais, le machin qui pénètre quoi. Petrif shot, ouais, la tire qui pénètre et en plus damage up. Ouais, le truc que t'avais tout à l'heure en poison. Ouais. Donc c'est de la merde. Ah non, c'est génial. J'ai retiré pénétrant plus damage up dès le début, je dis pas non moi. Bah t'avais mieux tout à l'heure donc. Ouais que... certes, mais bon, je peux pas avoir une luck impossible à chaque run hein. Si tu peux. En se forçant un peu, oui, effectivement. Alors bon, ici par manche, de toute façon j'ai pas de thunes. Ah, c'est complètement craqué. Voilà, on est bien. On est bien, il y a Maxi Caca partout, c'est drôle. Voilà, la salle secrète, ça, on dira une chance sur une d'être... ici. Même pas. Ah oui, parce qu'elle avait les rochers, du coup, elle n'est pas accessible. Ce qui signifie qu'en fait, elle serait donc soit là, soit reliée à la salle du mini-boss. Elle était là. Deux clés, c'est gratuit. Je te fais sauter la gueule, mon coco, et tu me donnes quoi? De la thune. Je prends. Voilà, donc là, je joue en mode poisé. Donc avec Isaac, je dois aller chez Satan par contre, vu que j'ai déjà fait le reste. Widow. Voilà, je manque encore un peu de dégâts là, je one-shot pas les araignées. Anecdotique au possible. Cadence de tir amélioré, oui, très bon ça. Ah, puis elle est pas dégueu la cadence de tir amélioré. Hein. Ah, effectivement, on se fout pas de ma gueule. Voilà. Oui, le jeu a été patché, maintenant c'est la version 1.0.1. Un petit patch anecdotique, mais ce qui montre bien que le jeu a été patché. Anecdotique. Voilà. Little Chad. Little Chad, sympa, hein. toutes les 3 soldes, tu drops un cœur. Si ce n'est le fait que j'utilise la crière gris, moi. Ah oui, mais bon, voilà, moi c'est ce qui a sauvé ma run à la fin. Hein. Ah, voilà, Little Chad plus la relique, ouais, c'est vraiment ce qui m'a sauvé. Lucky Rock, Mr. Bloom, oui.
pour faire sauter plein de rochers. Genre tout ça là, voilà. Et paf, voilà, maxi flouze, Lucky Rock, c'est très bien quand tu veux te former un max de thunes. Comme ça, on va pouvoir aller au magasin. The Sun, c'est un heal complet. The Sun, ouais, heal complet, dégâts aux ennemis dans la salle et affiche la map. Plus la salle secrète. Okay. Et l'Empereur te téléporte à la salle du boss. Dans le boss ou juste devant? Non, dans la salle du boss. C'est TP sur le boss, quoi. Ouais. The Sun, je vais l'utiliser. Et Joker. Okay, ça va, ça passe. C'est pas trop dégueu. C'est quoi ça? Lemon Party. Ok, je m'appuie dessus, c'est cool. Bad Trip. Le livre des péchés capitaux. Quand tu l'utilises, tu drop un item, enfin un pick-up au hasard. Donc en généralement, c'est je le prends, j'utilise et puis je le repose et je regarde l'autre item que j'avais avant. D'accord. Donc, diarrhée explosive. Maxi flouze. Voilà, masse de thunes, masse de thunes, masse de thunes. Le 4 reroll les items. Ça peut être drôle. Déjà, ce que je vais faire. Alors, ça permet de reroll les items du niveau. Donc, je vais voir si potentiellement les items ici. La mitre. Oh, non, mais la mitre, c'est pas mal ça. Qu'est-ce qu'on a en exemple? Ah, plus un gueule de. Oui. Double drop. Double drop, c'est gagné. Voilà, on va se faire un max de blé. On va augmenter ça. Voilà. Donc là, nous avons récupéré... Les tours. La tour. Qu'est-ce que ça fait? Invoque plein de troll bombes dans la salle. C'est pour faire péter des rochers ou c'est trouver une salle secrète. Genre, c'est ça que ça sert. Ouais. Ou alors c'est un piège à con. Aussi. Si, ouais. Récupérer une pièce. Paf, choc à pique maxi. L'as de pique. Augmente le drop des cartes. Je vais garder la perle. Augmente le drop des cœurs gris. Je sais. Ah, j'ai maxi flouze, donc là je vais pouvoir me bourrer au magasin. Hein. Parce que le Lucky Rock plus double drop, c'est la vie. Attends, monsieur Mega, quand ça marque blast damage, ça marque sur les larves ou sur les bombes? Sur les bombes. C'est un up des bombes, ça. C'est un peu con. Bah oui, mais bon, on gagne pas tous les coups, Nicky Larson. Hein. Ah, par contre, putain, c'est vrai que ça fait de mon truc. Hein. Ah, ça fait l'équivalent du justement du Mister, enfin du Bomb Buddy que j'ai, mais tout ouais. Le temps. Hop, continuons à bourrer la machine à donation. Ah, ok, elle est bourrée pour cette run. Donne de l'argent à Gaben. Exactement. Lord Gaben qui est aux cieux. Non, je déconne, t'es toujours en vie, salopio, et. Sors moi le F3, bordel de cul. Salle secrète, nous avons. Pour jouer, nous avons du drop. Ça, c'est cool. C'est gagné. Direction le boss. Mais voilà, sinon j'y repense, Nono et tout, même tous ceux qui regardent, hein, j'en sais rien. Parce que vous manifestez pas, mais. Enfin, n'hésitez pas à vous manifester, à poser des questions ou quoi que ce soit, bordel de fion. Faites vivre le stream! Oui. La tête du chat. La tête du chat, temps de recharge une salle avec 3 mouches d'attaque qui font cibler les ennemis dès qu'ils sont à portée. C'est extrêmement. C'est pété, ça c'est le chat mort qui te met 9 vies. Voilà, et c'est okay. un des items du set Guppy que si t'en chopes trop dans la même run, tu te transformes en Guppy. Donc, d'accord. Investi, non d'un fion. Investi, c'est Guppy. Oh, j'ai pas eu à investir. Voilà. Pour l'instant, ça va. Donc Ultimate Grand Suprême, ouais, j'ai une maxi flouze. Hey, j'aurais dû reroll l'item, je suis trop con. C'est là j'aurais dû utiliser mon 4. Pour un HP, c'est bon, déjà. Ah oui, c'est vrai. Pour un HP, tu me proposes de tomber fréquemment sur toi. Aïe. Ah, c'est de l'investissement, je prends, mais c'est de l'investissement. C'est un sacré investissement, mais je prends. Et puis je crois que ce sera bon, hein.
Allez. Rechons, mes petits amis. Enfin, rechons, non. Ouais, mais il me fonce dessus, ce sac à merde. De foule, ouais, bah d'accord. Ah, le caca arc-en-ciel. Le caca arc-en-ciel, on verra justement si je trouve une machine à dents du sang. Mais le caca arc-en-ciel est censé remettre full vie. Hop, un cœur noir, c'est très bien. Ok. Là, je vais utiliser mon The Fool, justement. Là, il va être pratique. Voilà, comment rentabiliser au maximum ces cœurs spirituels. On entre, je prends un dégât. J'en chope deux et je me casse. Voilà. Et je vais rechercher la carte que j'avais posée juste avant. Et c'est rentabilisé. Ok, donc on a la masse de machin ici. Yes! J'ai battu Mom. GG. Et moi je me fais toucher comme un sac. Bravo les beaux. Range up, pas besoin. J'ai le flamestone. Hop, nous avons maxi thune, c'est cool. Pilule. Tears up, nice. Cadence de tir Emelio, c'est très pratique. C'est womb 1. Deadbird qui sait de toucher un. Enfin, qui sait de tuer un. Tu sais, les Lurica pointe qui te font sur la gueule. Ça, ils sont pas très mal, hein, les. Lockdown, ah, fu. Bon, ça ira quand même. Les larmes d'Isaac. Isaac Tears. Alors ça, c'est pas, je sais pas trop ce que ça fait le Isaac Tears. Ça fait une sorte de tête de Tammy, mais. Alors le Isaac Tears. Sacré, non, le Kizarn. Ma foi, je ne sais pas. Le n'a pas d'être à jour. Bon, de toute façon, on va tester. Hein, sanité mon bar espace. On va voir. On va voir, on va voir, on va voir. Et cet objet, c'est du. Alors, c'est de la merde en boîte ou c'est pas de la merde en boîte? C'est un Tammy Amelio. Oh mais c'est craqué. Mais c'est complètement... Mais c'est Byzance. Non mais attends, c'est... C'est Tammy qui se recharge indéfiniment. Mais t'as ça avec Brimstone. Mais c'est craqué. Mais c'est de l'indéfiniment. Encore une fois. Mais c'est craqué. Bon déjà, hop, j'ai utilisé ceci. Bad trip. Ouais. Redonne-moi autre chose. C'est quoi ça? Speed up! Pas mal! Hop, voilà. Télépils, non merci. Attends, mais c'est craqué alors si ça recharge à chaque salle. Ouais, c'est ça, ça recharge tout le temps. C'est un ouais, c'est la tête de Tammy en super boosté. C'est OP. Putain, mais j'aurais eu ça avec Grimstone tout à l'heure, mais ça aurait été. Mouah. Ouais, il faut que je chope Grimstone quoi. Si je peux choper Grimstone chez Satan, on va bien rigoler, mes petits amis. J'ai mis en plus ça, oui, c'est mignon, tic 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 tic. Ah, je chope. Crampu. Oh là, j'ai de la vitesse de malade. Je prends trop de trucs dans la gueule. Ah, puis évidemment, tu prends. Ah, le Lokito, ça je prends. J'ai plus besoin de thunes.